Bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, invité spécial dans ma chambre. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on fait une critique de film dans ma chambre. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler évidemment d'une saga, le premier volet d'une trilogie. Et puis par ailleurs, oui. On vous dit une très très bonne année 2021. Bonne année on espérera, à tous. En espérant qu'elle sera un peu mieux que l'année 2020, parce qu'avec le Covid et tout. Hein. Voilà. Prenez bien soin de vous surtout. Happy New Year. Très très bonne année à tout le monde. Donc, Kevin a découvert pour la première fois la trilogie que j'ai montré au début, Seigneur des Anneaux. Il a découvert en 4K en plus. Donc, il a vu le tout premier volet de la trilogie. Donc, le titre, La communauté de l'anneau. C'est ça. Voilà, il n'avait jamais vu le Seigneur des Anneaux. Il connaissait pas, il connaissait juste le titre, le nom. Voilà, il connaissait deux noms. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du film? La réalisation est excellente. Les effets spéciaux excellents aussi, le jeu d'acteur excellent. Mmh. Tu peux spoiler, je pense que tout le monde connaît, hein, donc tu peux spoiler. C'est... Il y a des spoilers autour. Il y a vraiment une scène qui m'a touché, oui, c'est effectivement quand Gandalf il tombe. Mmh. Ça m'a fait un peu penser à la scène d'Harry Potter, dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé justement. Quand Dumbledore il tombe, après donc que Sirius, que Rogue, voilà. Avatar Kedavra. Voilà. Enfin bref, on est à Harry Potter, on parle de Seigneur des Anneaux là. Oui. Donc voilà, t'as été touché. Vous ne passerez pas. Oui. Ça, et il y a trois musiques que je retiens aussi. Trois musiques que tu retiens. Oui. Donc les musiques. Quel endroit? À quel endroit? Essaye de dire un peu. Bah là où il y a un temple. Ouais, un grand temple. Donc un temple. Pas vraiment, mais. Donc, la Moréa, pour ceux qui connaissent. Tu connais pas encore assez les noms, donc voilà. Oui, je dis voilà, la Moréa. C'est vrai que, ensuite, tu m'as dit. Quelle scène? Ah oui, la musique quand Gandalf. Oui. Il meurt. Oui, juste après avec le ralenti. Oui. Il y a les affiches derrière moi des trilogies, donc on sait, il a deviné que Gandalf n'est pas vraiment mort. Heureusement. Voilà. Et la dernière musique, c'est quand il est. Ah oui, Sam il est sous l'eau. Oui. Et qu'il y a Frodon qui l'aide pour éviter tout ce qui se noie. Et une musique très très belle. Et le lien de ces musiques? C'est fait avec le violon. Voilà. Et il adore le violon, Kevin. Et moi, ça me pénètre à l'intérieur. Ça, ah, je sais pas, ça me. Les t-shirts, faut bien les montrer en fait. Attends. Je sais que ça n'a rien à voir, mais. Oui, regardez cette merveilleuse série que j'ai. Non, mais tire bien là, il est coupé le. Regardez cette merde. Attends. Là. Voilà. Je sais que ça n'a rien à voir, c'est Doctor Who. Mais. Merveilleuse série que j'ai fait découvrir d'ailleurs. Une série que je parlerai bientôt. Voilà. Donc, en tout cas, le Seigneur des Anneaux, est-ce que t'as plutôt compris l'histoire, les personnages, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'as retenu du premier volet? Bah, si tu veux, Frodon. Bon, t'arrêtes de me tripoter là. Bah oui, sinon le micro ça sera de la merde. Ouais. Ah. Alors, ce que j'ai compris de la saga, plutôt du premier volet, oui. Mm-hmm. Bah en fait, il s'agit de Frodon, qui est avec justement. Son ami. Oui. Sam. Hein? Sam. Voilà. Les prénoms vont me revenir. Il y a la certain qu'il connaît pas encore, hein, il a du mal à. Voilà, Sam. Oui, et. Dans le village du Hobbit. Mm-hmm. Ensuite, il rencontre Gandalf. Ouais. Et il lui dit que c'est un anneau, justement, qu'il est possesseur d'un anneau. Bon, je vais la faire courte. Hein, qui appartient à qui, l'anneau? À Sauron. Voilà. Voilà. Et donc, Sauron a envoyé, justement, des chevaliers noirs. Moi, je les appelle les chevaliers noirs. Cavaliers, plutôt. Voilà. Pour chasser, justement, le... Les spectres. Voilà, le possesseur de l'anneau. Et tout au long du volet, on découvre certains personnages. Orlando Bloom, bon, je connais leur nom d'acteur. D'accord. Liv Tyler. Vous me connaissez, je suis amoureux d'elle, bon voilà. Voilà. Et Kate Blanchett aussi. Oui, effectivement. Après, il y a qui comme acteur connu dedans? Il y en a quand même pas mal, hein, vraiment. Oui, c'est vrai, j'en ai reconnu pas mal quand même. Et voilà. Et ta scène préférée que tu retiens le plus? Une scène en particulier? Bah, la mort de Gandalf. La fausse mort, bon. Oui, voilà. Quand il chute, voilà. Vous ne passerez pas, voilà, vous comprenez. Vous ne passerez pas juste après. Et qu'est-ce que t'as pensé? Oui, la scène émotionnelle aussi à la fin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, elle était vraiment touchante. Bah, moi, j'ai pas pleuré parce que le personnage, c'est vrai qu'on le voit beaucoup moins que Gandalf. Mais bon, j'ai pas envie de m'attirer les foudres. Explique comment il est mort, parce que je sais pas si vous comprenez de quel personnage on parle. Comment il est mort. Il s'est pris des flèches, 4 flèches dans le torse. 3. Bon, 4, moi j'en ai. Bon, 3. Voilà. Oui. Donc c'est Boromir. Voilà. Et voilà. En fait, les personnes au début, on s'attache pas parce qu'il est un peu chiant. Il veut mais au moment où à la fin, il se rend compte de ses erreurs, il veut protéger le Hobbit et il se fait tuer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est toujours. Mais c'est assez rapide quand même. Et il meurt les yeux ouverts.
C'est ça que j'aime bien, oui. Il est bien comme. Ouais, parce que ça fait plutôt réel et moi j'aime pas trop les. Justement les morts fausses, les fausses morts. Ouais. Ou voilà, où ils ferment les yeux. Donc voilà, donc est-ce que ça te motive à voir les deux autres de la trilogie? Ben pourquoi pas. Déjà, je vais montrer la bande-annonce du 2. Oui. Voilà, il y a certains personnages. D'ailleurs, j'ai découvert une musique justement qui sort justement du Seigneur des Anneaux que je connaissais déjà. Hein. Elle est très connue. Mmh. La bande-annonce du 2. Oui. Anneaux 2. Ouais. Il y a la musique vers la fin qui est vraiment sympa. dans le 2, il a vu qu'il va y avoir déjà mon précieux. Oui. Gollum. Il a envie de le voir. Il a envie de le voir. Tu vas pas être déçu. Bah attends, il est connu quand même ce personnage. Et aussi une actrice que tu connaissais. Oui, Miranda Otto. Que je connaissais déjà dans les nouvelles aventures de Sabrina, voilà. Sur Netflix, je sais pas si vous connaissez. Je vous conseille vraiment de regarder cette série. Je suis pas sponsorisé par Netflix, hein, je vous rassure. Et le jour. Je fais ma petite pub. Le jour où il verra. Le jour où tu verras le deuxième film. Oui. Après, évidemment, il y aura la critique du 2 et ainsi de suite avec le 3 un jour. Voilà. La critique du 3. Un jour, peut-être pas un jour, oui. Prochainement. Mmh. Alors, c'est une exception. J'ai fait découvrir le Seigneur des Anneaux 1 à Kevin en version normale. Parce que moi, je préfère mille fois plus les versions longues. Pour le 2 et 3, ce sera obligé version longue directe. Oui. Ah, je peux pas faire. Non, là, je peux. Là, je mais pas là, honnêtement, je suis obligé de regarder justement la saga en VOSTFR. En version originale sous-titrée français. Mmh. Parce que c'est trop long. Je peux pas regarder. Après, moi, je suis quelqu'un de pro-VO. Hein. Moi, vraiment, je défends. Il l'a expliqué une fois sur YouTube. Voilà. Et moi, je défends vraiment la vraie voix des acteurs, puisque je trouve qu'il y a plus d'émotion et on ressent mieux. C'est dommage que t'as pas découvert cette trilogie quand t'étais plus jeune, quand même. C'est vrai. C'est t'as découvert Harry Potter et tout, ouais, ça. Bah, toi, t'as découvert Retour à le futur dernièrement. Et je fais pas de réflexion. Si vous avez vu les dernières vidéos sur la chaîne de Paul, voilà. Vous savez très bien que Retour à le futur, je suis pas un grand fan. Je sais que ça peut étonner beaucoup de gens. Je ne déteste pas cette trilogie, mais je suis pas fan. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Et ils vont tous me tuer, je sais. Oui, avec sa tête là. Et... Oui. Voilà. Ah. Ouais. T'as Biff Tannen qui va te. Hein. Biff Tannen, c'est pas l'autre qui dit Mouflay. Il le fait super bien. Oh non. Et ma Mouflay. Par contre, c'est pas le thème de la vidéo. Ah merde, on parlait de Seigneur des Anneaux. De toute façon, je suis même pas fan de Retour vers le futur, donc il faut que je parle du Seigneur des Anneaux maintenant. Ouais, mais là, ça part complètement hors sujet. Là, c'est vraiment. On se demande si c'était bêtisier, quoi. Bref. Ouais. En tout cas, je suis très content que t'aies été dans cette vidéo. Oui. C'est rare qu'on ait à deux comme ça sur une vidéo. Petite précision, on la tourne à 5h du matin dans sa chambre. Voilà, je voulais préciser. Voilà, bon, voilà. Bon. En gros, c'est pour la nouvelle année. Dites-nous si, si j'ai les yeux fatigués. On va rapprocher la tête pour voir. Voilà, là. Je sais pas. Quoique je louche, je sais pas. En tout cas, voilà. Et j'ai hâte que tu vois la suite de la trilogie. Bah, cette année, j'espère. Ouais, c'est sûr. Si, avec le. S'il n'y a pas de troisième confinement. Alors, je prie pour qu'il y en ait pas. J'espère que l'année 2021 sera vraiment bien. Ouais, parce que... c'est vrai. Ah, je pète un câble. J'en peux plus. Pas de Covid, j'en peux plus. Au revoir le Covid. Oui, voilà. On va se débarrasser de ce machin et puis voilà. On va pouvoir voyager. Ouais, on reprend les voyages comme avant. Voilà. On espère. À New York. En tout cas, c'était une petite vidéo spéciale aussi pour l'année 2021. Et puis, oui. Voilà, ça t'a donné l'occasion de découvrir le Seigneur des Anneaux. Voilà. Il te reste encore deux volets, c'est pas fini. Hein. Est-ce que j'ai eu aussi à la fin du Seigneur des Anneaux 1, tu t'es dit oh, c'est fini. Ah oui, je m'attendais pas du tout à. En fait, tu pensais pas que ça allait se terminer comme ça en fait. Bah, il n'y a pas de fin. Bah, après, dans Retour à le futur, parce que je reviens sur la saga que t'aimes pas, à la fin du premier, je suis désolé, il y a quand même un cliffhanger. Oui. Voilà, donc. Mais c'est pas aussi fort que non plus Seigneur des Anneaux quoi. Bon, c'est bon, tu vas arrêter là. Bon, voilà, vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt contre ce que je dis ou contre ce que je dis. Je sais que je suis chiant, voilà. Oui, t'es un difficile, je sais ça. Le pire, c'est que j'ai la trilogie en DVD. Bah oui, tu vas me la donner, Léo. Non, peut-être pas. Ah, tu vois, le 1 il est quand même. J'aime bien, mais je suis pas fan. Bon, bref, on va arrêter. C'était pas ça tout à l'heure. C'était j'étais pas fan. Ça vient de changer en 2 secondes, c'est la fatigue, je crois. Oui, voilà. Génial. Bon, allez, va te coucher. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Cineflow. Et vous inquiétez pas pour les vidéos de Doctor Who. On a tout prévu. Ça arrivera très bientôt. On a déjà tourné quelques scènes. J'ai eu pas mal d'idées. Ne spoil rien. Non. Parce qu'on a eu des idées assez spéciales qui vont arriver. Voilà. Et très particulières. Et puis. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez passer un très bon réveillon. Voilà. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Cineflow. Et puis, Kevin. Abonnez-vous à sa chaîne. Oui, voilà. Il me fait de la pub. Génial. Hein bah, c'est bien. Oui, c'est génial. Oui. Tu me fais partager. Je suis sur ta chaîne, donc je te fais de la pub. Ouais, bon, merci. Voilà. Bah, encore bonne année, bonne santé, surtout prenez bien soin de vous. Il m'a fait de la pub. Ça va, toi pas, c'est une connerie, je pars pas, idiot. Ça va ou pas ou fait une blague. Ouais. Voilà.
De quoi on est en train de parler déjà? Je vous dis à très bientôt sur ce. Non, c'était pas ça. Comment ça, c'était pas ça? C'était pas ça déjà. On part en couille là, attends, faut vraiment dire. C'était pas ça. Abonnez-vous. Non, ça je. C'était quoi cette tête? À très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous. Et à bientôt, Kevin. À bientôt, Cinéflow. Allez, allez, attends, il m'a fait de la pub, attendez. Allez voir Kevin Rocrozio. Ouais. Marquez Kevin Rocrozio. Bah, moi je fais pas beaucoup de vidéos, mais ça va peut-être arriver là. Normalement, j'avais une vidéo prévue le 1er janvier, mais je ne sais pas si. Il fait des vidéos vraiment en très bonne qualité déjà. Oui. 4K, 60 FPS, 30 FPS. Vraiment, c'est vrai. Du ferroviaire et puis voilà. Enfin bref, à très bientôt et ciao. Ciao.